Bonjour tout le monde, ici mon oncle Daniel et bienvenue au 37e épisode de SimAirport. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est pas mal évident qu'on a besoin d'améliorer notre sécurité et aussi notre billetterie. Donc, let's go, on va tout grandir ça parce qu'il y a du monde qui vont pas dans la bonne direction. En fait, oui, je devrais enlever la zone de sécurité ici. Pop, de même. Donc, quand tu passes par là, c'est parce que tu sors de la sécurité, tu descends en bas ici. Voilà, puis en fait, ici, je devrais faire un moving walkway. Je peux-tu en faire un, comme ça? On va le mettre là de même. Tain. Donc, c'est juste un passage souterrain, rapide, juste pour éviter les autres affaires qui se passent en haut ici. OK, la bonne nouvelle, il est 2 heures. La mauvaise nouvelle, ça se remplit. Ça se remplit, mais c'est pas si pire que ça. La billetterie a vraiment besoin d'amour, mais ça roule quand même pas pire. Il y a certaines lignes d'attente qui semblent se remplir ou déborder un petit peu. Si on descend en bas ici, ben ils se débordent un petit peu moins. Donc peut-être que les gens ils vont descendre en bas au lieu de rester pris en haut. Je veux dire, l'autre alternative ici, c'est bien sûr de... Je sais pas si c'est une bonne idée là, mais en fait, t'étires ça jusque là de même. Puis ce que tu fais, c'est que tu fais de la sécurité dans l'autre direction aussi. Donc il y a plein de sécurité en bas ici aussi. Il n'y a pas grande ligne d'attente. Il y a beaucoup de monde qui remonte pour quelque raison. Je sais pas pourquoi ils remontent. Ils ont-tu manqué leur vol? C'est quoi leur problème? Je sais pas c'est quoi leur problème. Ils ont peut-être manqué leur vol. On est rendu à 864 personnes qui ont manqué leur vol. Mais il n'y a pas de ligne ici. Ça se recule pas jusqu'ici vraiment. Ça s'est reculé tantôt, mais là, ça s'est revidé. Donc, peut-être qu'on est correct. Ouais, le bouchon semble vraiment être la billetterie ici, là. Donc, je pense que la prochaine chose qu'il faut régler, c'est les billetteries. Et puis, pour ça, ça va pas être très dur. On va venir ici, puis on va faire clone. Et puis, et puis on va ramasser ça, pop, et puis on va venir mettre une autre billetterie en haut ici. Puis ça a l'air comme ça va fitter de justesse. Ok, comme eux ils sont en train de tout faire ça, ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever ici, construction, dismantèle, toutes mes machines de billettage automagique. Et puis je vais faire ticketing, toi ici, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite on va les faire ici. Puis on va les éparpiller un petit peu. Comme ça, tout le monde n'est pas pris ensemble. Et on va tout mettre ça, là. Check bien ça, toi, là, de même, là. Donc, il y a un petit peu plus de place. Puis on peut en mettre un petit peu plus. Ça va faire à ce que le couloir va rester un couloir. Tiens-toi. Donc, ça veut aussi se dire que zone... Et si toi, il faut étirer cette zone-là pour que ça, ici, ça devienne la billetterie. Aussi. Puis toi, ici, on devrait peut-être t'enlever parce que t'es comme dans le chemin un petit peu. Puis on a des machines ici à l'intérieur aussi. J'ai envie de penser que ces machines-là, on devrait peut-être les enlever aussi. Juste parce que ça fait beaucoup de machines, ça fait beaucoup de gens. Puis je veux utiliser l'espace en haut ici aussi pour mettre des machines. Là. On est rendu à 2h du matin. Voyons voir. Pas mal certain qu'on n'a pas eu notre perfect bonus, mais juste curieux pour voir combien de personnes ont manqué. 1300. Ça descend. Ça descend. C'est bien ça. C'est ce qu'on veut. On veut que ça descende. On veut que ça descende et ça redevienne un petit peu plus normal. Donc, je vais enlever toutes mes machines là comme ça. On va venir ici. Ici, il faut embaucher des gens. Il nous en a manqué 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boum, de même. Et puis aussi, ce qu'il faut faire, c'est faut faire nos affaires pour que nos bagages descendent. Conveyor down. Down. Donc, toi ici, tu vas-tu descendre, toi, si je fais ça? Là? Tu t'en vas dans quelle direction? Oui. OK, down de même. Et puis, sit. Ouh, shit. OK, on a... Je peux-tu te mettre là? Est-ce que tu vas devenir mélangé? Je voudrais vraiment pas tuer l'arbre ici. J'aime bien la symétrie. Si je mets ça là de même, c'est-tu correct? Puis après ça, je descends en bas ici. Je pense qu'on va être correct. Si on descend en bas ici, une fois qu'on apporte tout ça là, on va avoir besoin d'un hub. Si je mets un hub de bagage, là. Je vais pouvoir tout connecter ça à ça. Puis après ça, connecter ça ici. Donc ici, je vais faire dismantèle. Le mur là. Comme ça, on peut venir connecter ça puis rapporter ça ici. Et puis, je vais vouloir aussi ajouter des fondations. Pas des dondations, mais des fondations. Et voilà. Et puis, juste faire un petit comme ça. Ça va fonctionner pour toi, mais toi ici, il faudrait que je fasse ça. Demain. OK, cool. Donc ça va tout se bâtir. Eux ici, tout le monde capote. C'est bien correct. Une fois toutes les machines ici sont bâties, je vais les répéter en haut là. Toutes les machines sont bâties. Excellent. On va faire le clone. On va venir ramasser ça. Et on va répéter en haut ici. Donc tout ça ici, ça va être une assez grosse billetterie là. Comme vous avez jamais vu avant là. La plus grosse billetterie qui a jamais existé.
Si je viens ici de même, puis je fais ça là, comme ça. Je vais pouvoir aussi mettre des arbres tout le long. Si je fais ici, ticket pour faire une zone. Je sais pas si j'ai le droit d'avoir plus qu'une zone de billetterie. Ils vont avoir... Oui, excellent, cool. OK, donc tout ça, ça va se faire. Ça, ça devrait enlever tous les problèmes de billetterie qu'on a eus. Ça devrait faire une méchante différence. De, ça veut dire qu'il va y avoir plein de gens qui vont aller à sécurité beaucoup plus rapidement aussi. Donc, il faut qu'on garde un œil là-dessus. Ouais, il faut qu'on garde un œil là-dessus. OK, les gens commencent à aller ici, ce qui est bien. Si je descends en bas ici, vous êtes en train de bâtir ça. Je vais faire dismanteler les sites. Je sais que je vais vite un petit peu, pardonnez-moi, là, mais c'est parce que je suis tout emporté dans ce qui se passe. Ça roule vite, mais ça roule bien. Si j'enlève toi là, puis j'enlève toi là. Oh, je peux pas encore envoyer. Si je viens ici, puis je fais conv. Je fais conveyor belt, toi là de même. Je veux toi. Je vais aller comme ça jusqu'en bas ici. Et puis toi ici, je veux te changer toi à un consumer. Puis je veux te changer toi à un consumer, c'est bon. Toi ici aussi, je veux que tu sois un consumer. Et toi ici, je veux que tu sois un producer. Parce que je veux que mes bagages rentrent par là. D'ici, je veux qu'ils rentrent là. Et puis d'ici, je veux qu'ils descendent jusqu'en bas là. Puis d'ici, il va falloir qu'ils montent en haut là pour ensuite descendre. C'est ce qu'il va falloir qu'ils fassent. Dismantèle. On va dismanteler ça. On va attendre que ça soit fini. On va aussi dismanteler ça. Et puis après ça, on va être pas mal bon, je pense, côté bagage pour notre nouvelle billetterie. Oh, puis si tout va bien, je pense qu'on devrait être pas mal bon pour qu'est-ce que tout, comment vont nos gaz ici. Ça va bien, on peut acheter un petit peu de gaz. On va en acheter pour 2 millions. Je pense qu'on va être bon avec ça. On va acheter ça. OK, tout ça ici, ça c'est fait. Conveyor, go, go, go! Chaque fois qu'il fait ça, il me fait peur. Pas qu'il m'a jamais... Il m'a jamais crashé dans un autosave. Mais j'ai toujours peur. Pourquoi tu me permets pas de faire ça? Two-way conveyor must... T'as un petit peu two-way conveyor? C'est pas un two-way conveyor, ça? De quoi tu parles, two-way conveyor? De quoi tu parles, chose? C'est un one-way conveyor. Toi ici, t'es un... producer. Pourquoi tu veux hub-to-hub? C'est quoi j'ai brisé? J'ai brisé quelque chose sans faire pas exprès, je pense. Merde. Attends un petit peu, là. OK, on va dismanteler, puis on va juste le rebâtir de zéro. Mais vraiment, tout ce que je veux qu'il fasse, moi, là, c'est juste qu'il vienne se connecter en bas, là. Je sais pas trop c'est quoi son problème. Toi, ici, t'es un consumer. Puis toi, ici, t'es un producer. Ouais, donc, il devrait pas avoir de problème. Tout le monde rentre là-dedans. En attendant, toi, ici, je peux te mettre des upgrades. Comme ça, tu deviens très bon à faire tes bagages. Upgrade, comme ça. Mais ouais, j'ai besoin que quelqu'un vienne enlever ça, comme ça je peux le remettre. Enlever tout ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je devrais peut-être même aussi, juste pour faire sûr, enlever toi. Ouais, OK. Conveyor normal. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Jusque là. Ah, pourquoi qu'il veut pas? C'est quoi son problème? Non! C'est quoi son problème? Y a-tu trop de choses qui rentrent là-dedans ou quoi? Là, attends un peu. Il me donne-tu un message d'erreur? Two-way conveyor must form a direct connection to one other hub. Mais il n'y en a pas de two-way conveyor. De quoi tu parles? Oh! OK, je viens de comprendre. Le seul type de chose que je peux faire entre deux hubs, c'est un hub-to-hub. Puis pour ça, faut que ce soit un deux chemins. Faut que ce soit bidirectionnel. Malgré le fait que ça n'a aucunement besoin d'être bidirectionnel, il veut absolument que ce soit bidirectionnel. Donc, OK, fin d'abord, Sti. On va te faire ça de même. Toi ici, maintenant, toi ici, tu vas être un hub-to-hub, ce qui veut dire bidirectionnel. Et puis toi ici aussi, maintenant, toi ici, tu vas être hub-to-hub. Aussitôt qu'il enlève. Enlève-le. Non. Oui, non, oui. Hub-to-hub. Et voilà. Puis après ça, quand je viens ici, conveyor. Et voilà. Toi là de même. Comme ça, jusqu'en bas ici, comme ça, et voilà, maintenant on n'a plus de problème. Pardonnez-moi, je ne savais pas ce qui se passait, mais là je viens de comprendre, et voilà, tous les bagages maintenant sont en train de passer. Wow! Wow, ok, copie, pas copie, mais clone, parce que je vois une petite place ici, où est-ce que toi ici, tu pourrais aller là. Ok, bon, on est retombé avec les problèmes des lignes d'attente ici, là. Avec les sécurités. Malgré le fait qu'il y ait des lignes d'attente qui sont aucunement pleines. Bien sûr, les deux dans le milieu ici, c'est des premières classes, donc c'est correct. Oups, ça c'est étrange. Mais eux ici, ils sont pas pleines encore. Les gens pourraient rentrer là-dedans s'ils veulent. Puis s'ils veulent pas, ils peuvent descendre en bas ici. Puis en bas ici, ils sont pas si pleines que ça non plus. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de manquer leur vol aussi. Donc, il y a encore du travail à faire, malheureusement. En attendant, on peut décorer.
Je vais mettre des arbres un petit peu partout. Là. Ça va faire toute une différence, ça. Là. Ça va être super beau. Tout le monde va être super content d'être dans mon aéroport. Ils vont dire, waouh, j'ai jamais vu un aussi bel aéroport avec tant de jolis arbres. C'est magnifique. Hop, puis là, soudainement, c'est parti. Étrange. Combien de personnes ont manqué de vol aujourd'hui à date? 952? 960? C'est quand même pas parfait. Wow! Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais ça roule quand même assez bien. Voici tous les vols qu'on a manqués. S'il y en a bien trop. Merde. OK, la dernière chose que je peux penser, c'est en bas ici, l'affaire que je pensais faire. L'affaire que je pensais faire ici, c'est pas si difficile que ça. Voyons voir. Premièrement, dismantèle. Enlève-moi cette chose-là. Et puis, ce que c'était, c'est de faire ben, de la sécurité. En bas ici aussi, une autre colonne de sécurité, si on veut. Donc, mes sécurités sont... ben, premièrement, avant, je vais avoir... trois lignes d'attente, j'imagine. Ou deux lignes d'attente. Trois lignes d'attente, on va faire. Donc, la troisième va descendre jusqu'en bas là. La deuxième va venir jusqu'ici de même. Et la première va arrêter là. Ce qui veut dire que mes affaires de sécurité... En fait, je peux pas remettre d'affaires de sécurité ici. Donc, peut-être seulement deux lignes. Donc, ça part d'ici. Et puis, ça veut dire que j'ai un kiosque. Une, deux. Ouais, j'ai un kiosque, toi ici, de 7. Et puis, ça, deux comme ça. Et puis, je répète ça un tapon de fois. Vous voyez? Puis après ça, les gens, quand ils ont fini, ils vont descendre en bas ici, puis ils vont aller ici à la sortie aussi. Là. Donc, c'est juste essayer de doubler la capacité, si on veut, de cette affaire de sécurité ici, souterraine. Évidemment, il va falloir que j'agrandisse ma fondation un petit peu, mais peut-être que ça va aider. En fait, ça devrait aider parce que je suis en train d'ajouter un tapon de sécurité, là. Comme il y a beaucoup de sécurité, là. OK, donc, fondation ici, ajoutons un petit couloir de 2. Même peut-être 3, parce que peut-être qu'on veut mettre un tapis roulant ici, ici, qui va venir se connecter là, comme ça. Donc, on va faire ça de même, puis on va aller jusque-là. Toi, ici, on va aller jusque-là, ici. Ça, ici, va donner un gros couloir aussi, comme ça, les gens peuvent aller là de même jusque-là. Puis après ça, on va venir faire de la sécurité. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va venir ici à ligne d'attente, et puis on va bâtir nos lignes d'attente tout de suite, parce qu'on va juste suivre ce que les autres y font. Ouais, comme ça. Et en fait, ils n'ont même pas besoin d'être un petit peu là. Ils n'ont même pas besoin de suivre tant que ça. Ils peuvent aller là de même. Et puis, de suite. Ah non, 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 non. Et tirer la ligne d'attente. Comme là de même. Et puis, venir jusque là comme ça. Voyons, Sty! Pourquoi j'ai tant de difficultés? Toi, va-t'en. Toi, je veux que tu sois étiré jusque là comme ça. Ok, parfait. Puis l'autre, ici, toi, même chose. Non, comme ça. Et comme ça. Ok, donc tout ça ici, c'est fait. On va... démolir quelques murs, dismanteler le mur ici tout le long. Oui. Tout le long ici. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être qu'on va pas mettre rien ici en fait là. Parce que ça ici, ça va être sur le bord. Peut-être qu'on veut garder le mur qui va monter jusqu'ici. Comme ça, les gens ils rentrent, puis après ça, ils font ça de même. Donc, ici, démolir. On va mettre un mur jusque là. Et puis après ça, on va faire un dismantel, disons, de ça. Jusque là. Et de toi jusque là, comme ça. Et de toi jusque-là, comme ça. Toi, je te laisse fermer parce que je vais mettre une porte. Mais en attendant, je vais faire sûr. Est-ce que je mets ma zone de sécurité? On va faire sécurité. On va faire toi, flip par là. Puis en fait, je dois refaire mon remote bag patente. Envoyé comme ça. Mon détecteur de métal par là. Donc, vous voyez, ça va faire comme ça. Une fois que ça, c'est bâti, je peux faire clone. Et puis, on peut faire clone de tout ça. Oh, en attendant, on va faire zone. On va faire zone de sécurité. Juste étirer cette zone de sécurité-là, peut-être jusque-là, comme ça. OK. Clone, clone tool. On va te cloner toi. On va en mettre un là. Un là. Pourquoi tu me laisses pas en mettre un là? Ah, oh, parce qu'il est déjà là. OK. Un là, un là, un là, un là, un là. Un là comme ça, un là comme ça, un là comme ça. Je pourrais même en mettre un en bas ici. Pourquoi pas? Parce que j'ai enlevé celui-là qui était en haut tantôt. Là, voyez-vous là qui fait le détour de même, là, ça c'est pas acceptable. Là. C'est ça que je veux pas qu'il se passe. Donc, wow! Essaye de toi là. On va faire jusque-là. Ou jusque-là. Peut-être jusque-là de même, puis comme ça. C'est ce qu'on va faire. On va ajouter les choses qui manquent ici. On va enlever le planning parce que les couleurs me mélangent un petit peu. Non, 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 non. Clear. Tout le planning, excellent. On va mettre un plancher rouge. Comme ça, on a un joli plancher rouge. Hop, de même. Oui. Juste jusque-là. Puis l'arrivée ici, on pourrait mettre le bleu qui va être là comme ça. Donc, toi ici, tu es un bleu comme ça. On peut mettre ça là comme ça. Ici, on peut mettre nos petites flèches. Puis ici, on peut mettre une petite porte. Door.
Comme ça. Boum! Ok, si je fais ça de même, je vais avoir besoin aussi d'un remote bag scanner patentant. Oui, parce que lui, je l'avais pas encore. Donc, je vais le mettre. Je vais le mettre ici. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais laisser toutes ces affaires-là se bâtir. Puis après ça, on va être pas mal bon. Je vais mettre un tapis roulant ici. Puis là, si ça, ça aide pas à régler le problème qu'on a de pour avoir assez de sécurité, là, je sais pas c'est quoi qui va aider. Parce qu'honnêtement, là, on a pas mal de la sécurité, là. On a deux gros étages remplis de sécurité. Check tout ça en haut, là, puis tout ça en bas ici, là. Ça en a fait un, s'il vous plaît. OK, combien d'employés j'ai besoin? 21 autres employés. Et boy, j'espère qu'il y a du monde qui me travaille en sécurité. Embauche moins de les 21 personnes en sécurité. Merci beaucoup. Ils vont venir tout boucher les affaires ici. Bâtissez-moi ça ici, s'il vous plaît. Puis j'imagine qu'une fois qu'on a bâti ça, je vais avoir 22. J'ai besoin d'une autre personne de sécurité. Ah ouais, venez bâtir ça, s'il vous plaît. Faut que je connecte ces affaires-là là, qui brillent, là. Je sais. Ah ouais. Boum. OK, parfait. Toi ici, j'ai besoin d'un autre. On va l'embaucher. Toi, on va faire Async. Et on va faire... Async. Pour quelque raison, on a plein de gens qui flippent tout à l'envers ici. Donc ici, moi, je vais mettre mes flèches. On va faire One Way. On va dire, gars, là, si tu passes par ici, là, tu peux pas revenir, OK, là? Arrête d'essayer de revenir. Construction, plancher, bleu, comme ça. Excellent. On va faire juste construction normale, moving walkway. Ici, je pourrais peut-être le partir. Il n'y a pas besoin d'être si long que l'autre parce que cette section-là est un petit peu plus courte. On peut juste mettre ça de même. OK, toi ici, tu peux t'en aller, là, c'est beau. Pourquoi toi, tu te plains? Remote security patente, t'es pas connecté. OK, ben gars, assign. Là. Et voilà. OK, et finalement, je pense qu'on peut assigner. Je mets le jeu sur pause parce qu'autrement, c'est trop difficile. Non. Toi, assigner. Et site, on va enlever les premières classes. Encore, les premières classes ne montent qu'en haut. On va faire toi, assigner là. Et toi, assigner là. Là, on a combien ici, nous, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il faut que j'en fasse 6 puis 5. Oh boy, OK. C'est fait 1, 2, 3, 4. On va dire 5. Puis après ça, les 6 derniers sites vont être assignés à l'autre. Parce que la ligne d'attente va être un petit peu plus courte. Assign. Non, la ligne d'attente va être un petit peu plus longue, pas plus courte. Assign. Non, je veux toi. Un autre. Et finalement, et un autre. OK. Donc là, tout le monde devrait se mettre en ligne. Et je pense qu'on est pas mal bon. Je pense qu'on est pas mal bon. La dernière chose que je préfère ici, zone, sécurité, c'est juste pour faire ce que ce soit un petit peu standard, là, comme ça. Et toi, ici, t'aplatis peut-être de même jusque-là, comme ça. OK, il est midi. Il est midi. Si je monte en haut ici, c'est plein. Mais là, ça, on arrive à 2h, là. On arrive à 2h, puis là... Là. Je sais pas quoi d'autre que je peux faire pour réduire... Les lignes de sécurité et les billetteries, je veux dire, on est plein. Je pourrais peut-être mettre des lignes d'attente ici, là, parce qu'en ce moment, tout le monde se met un petit peu partout, là. Donc, je pourrais peut-être faire ça, mais on a tellement de billetteries. On a tellement de tout. Voyons voir si la sécurité sait tenir le coup à 2h. Il est 2h, c'est le moment en ce moment, là. C'est le moment où il y a le plus de gens qui rentrent dans notre aéroport. En bas ici, ça roule. Il y a beaucoup de monde qui sort. En haut ici, ça roule. Il y a beaucoup de monde en ligne, mais ça flot. Ça flot. Il y a beaucoup de monde qui descend aussi. Je pense qu'il est rendu 3 heures. Je pense qu'on est peut-être bon. Hop! C'était quoi ça? Il y a quelqu'un qui est venu chercher des bagages? Pourquoi il y a quelqu'un qui vient chercher des bagages? Tous les bagages sont supposés être connectés ici, là. Il n'y a pas de raison pour venir chercher des bagages. Ça m'inquiète un petit peu. Les lignes de... Ok, attends un petit peu, là. Où c'est que tu t'en vas, toi, là? Thierry, ton nom c'est Thierry, où c'est que tu t'en vas Thierry? Tu ramasses des bagages là. Qu'est-ce que tu fais? Il est juste en train de conduire à l'entour? Peut-être qu'il s'amuse dans son kart. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais... Hop, on descend. On passe par la sécurité. Ok, ça ici c'est un gros problème, on attend pour monter. On est encore dans notre t-kart, malgré le fait que le t-kart est là comme un fantôme. Puis on va venir porter ces affaires-là à l'avion. Si je recule ici, l'avion attendait pour 54 bagages. Pour quelque raison... Air Smooth. Pour quelque raison... Elle est... Arrête d'avancer, chose. Elle est partie 248 minutes en retard. Pourquoi est-ce que les bagages sont pas arrivés à temps? Pourquoi est-ce que j'avais besoin de quelqu'un qui aille chercher les bagages?